Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et on se retrouve avec Jérôme pour vous parler de Batman de chez Urban Comics. Comme c'est plus son rayon Batman, c'est plus garçon, je vais lui laisser le soin de vous parler de Batman dans la vidéo. Voilà, c'est plus facile. Bonjour à tous et à toutes. Donc, petite vidéo sur l'univers de Batman. Donc moi, je suis plus... Il y a la team DC Comics et la team Marvel. Moi, je suis plus de la team Marvel. Néanmoins, depuis que je suis branleur, j'adore Batman. C'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est le plus emblématique de DC Comics. Et franchement, j'adore. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je regardais... des Batman, les nouveaux Batman qui sortent. Moi j'accroche pas spécialement. On avait acheté il y a quelques temps une série qui s'appelle No Man's Land, Batman, No Man's Land. J'ai acheté la série compacte. Et franchement, j'accroche pas. Alors, l'histoire de base est bien. Mais, en fin de compte, dans chaque volume, on a plusieurs histoires avec plusieurs dessinateurs, plusieurs scénaristes. On a un Batman qui passe du coq à l'âne. Des dessins totalement différents. Après, c'est un esprit nouveau, c'est nouveau, c'est récent. Enfin, moi, j'accroche pas. Moi, je suis un peu d'avis des gobes. J'aime bien que quand j'ai une BD, du début à la fin, ce soit les mêmes scénaristes et les mêmes dessinateurs, enfin le même format d'image au moins, le même format de dessin. Et donc c'est pour ça, il y a quelques temps, en passant chez BDZF à Quimper, je suis tombé là-dessus, sur ces deux volumes-là. Donc, on retrouve de suite le dessin des années 80, des années 70 plutôt, des 70-80. Et en fin de compte, ça regroupe des histoires, ça regroupe des histoires qui sont sorties dans les magazines dans les années 70. Quoi. Et franchement, là, on retrouve réellement. Bon, je pense que c'était redessiné. Je pense pas que c'était aussi, que les dessins étaient aussi qualitatifs à l'époque. Donc, je pense que ça a dû être redessiné. Mais franchement, c'est vraiment bien fait. J'aime bien parce que c'est sur du papier. C'est pas sur du papier glacé, je suis pas très très fan de tout ce qui est papier glacé pour reprendre les anciens dessins et les anciennes BD comme ça. Mais dans les anciens comics, ils étaient en papier normal. Oui, c'est ce que je dis. Mais maintenant, quand ils refont les... Ah, peut-être oui. Ils ont tendance à mettre beaucoup sur du papier glacé. Ouais. Franchement, c'est des très beaux dessins. Donc c'est des histoires qui se suivent mais qui ne sont pas forcément reliées toutes, à part quelques-unes. Donc, dedans on va retrouver le Joker, on va retrouver Man-Bat, on va retrouver quelques histoires avec Superman aussi, Robin. On a un peu tous les héros emblématiques. Tous les méchants emblématiques, à part le pingouin, j'ai pas vu le pingouin. Mais franchement, c'est des bons ouvrages. Ceux-là sont assez récents, ils sont sortis en 2018. Nous, on les a trouvés d'occasion, donc on a dû payer ça dans 20€ au tome. Donc franchement, ça fait quand même un bon pavé pour pas trop cher. Je pense que sur Amazon, eBay ou Fnac, on peut encore les trouver. Si je trouve les liens sur mes partenaires, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez en acheter un, pour vous rendre compte ce que c'est. Et ce qui est pas mal, c'est qu'à la fin, on retrouve plusieurs couvertures des Batman comics à l'époque. Belle couverture, et en fin de compte on a le Batman comme on a connu quand on était branleur, c'est-à-dire pas habillé tout en... pas le Batman tout noir comme on voit maintenant, mais le Batman en gris,
avec sa combinaison gris et sa cape bleue. Et non, franchement, moi, c'est ce que je préfère de dans l'univers de Batman. Je sais pas quoi dire. Je sais plus quoi dire. T'as passé à refaire plusieurs fois, je me dérangeais pas sur le coup. On avait fait la vidéo avant et j'avais oublié d'allumer la caméra. Voilà. Donc là, on a dû la recommencer. Ça l'a pas fait rire du tout. Et comme quand on fait des vidéos, moi, il n'y a rien qui est écrit. Hein, on ferait un live que ça serait pas plus compliqué. Donc voilà. J'espère que vous avez vu la belle figurine que je touche depuis tout à l'heure. J'adore, elle est magnifique. Je suis fan de cette figurine. Vraiment très 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 belle. Elle est belle. Qu'est-ce que tu l'as trouvée ? Figurine en PVC qu'on avait achetée, je sais plus, sur eBay peut-être. Elle était pas chère, ça va. Elle est vraiment très très jolie. Non, c'est vrai qu'elle est. Bon, elle fait son poids quand même pour du PVC. Ouais. Ouais, je trouve quoi. Hein. D'accord. Mais elle est vraiment super. Vraiment super. C'est bien. Voilà. Bon, écoutez, j'espère qu'il n'a plus rien à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai quelques photos, bien évidemment, et des liens dans la description si je les trouve chez mes partenaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à parler de la chaîne autour de vous. À nous rejoindre sur le monde de la bande dessinée sur Facebook et maintenant on est sur Instagram aussi bien évidemment. Sur ce, je vous embrasse très fort les amis. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye.